Hey les potes, c'est Écart, on se retrouve pour une aparté de 10 secondes, juste parce que en fait j'ai perdu un défi lors d'un stream, et en fait ce défi consiste tout simplement à faire une petite pub à Nico TV qui a 91 abonnés, donc c'est un poteau de la team Fatalis, et je vous remercie énormément les potos si vous avez laissé vous aller sur sa chaîne et que vous abonniez tout simplement les potes, parce que il a 91 abonnés. S'il arrive à 200 abonnés, il m'offre un petit cadeau, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et en tout cas voilà, c'était juste 10 secondes. Il fait un peu de Fortnite, il fait du Genshin, il fait un peu de tout, donc vraiment vous allez aimer son contenu. Et c'est un mec en or, donc je vous aimerais vraiment toute ma vie les potos si vous allez faire l'effort d'aller la voir. Sa chaîne est dans la description et sa chaîne est aussi en commentaire épinglé. Sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo de Bokuni. Bonne vidéo! Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau défi secret qui s'intitule tout simplement Rechercher Mort-Vif. Donc c'est tout simplement le défi secret des nains de cette semaine 8 qui vous rapportera, une fois effectué, 10 000 d'XP. Comme d'habitude les gars, on se retrouve directement en game et je vous montre tout simplement où se situe ce défi. Ok, du coup les gars, on se retrouve directement en game pour ce défi secret. Donc rendez-vous tout simplement pour commencer à Hydro-16 qui se trouve tout simplement en D7 entre Slurpee et Misty. Donc c'est tout simplement le pont qu'on a juste ici, voilà. Donc je vous montre bien, on a l'usine juste là. Donc tout simplement ce que vous faites, on prend la petite tyrolienne et vous allez voir que le défi secret est très simple à trouver. Il faudra rien faire, vous allez avoir 10 000 XP gratuit rapidement et facilement. Donc là vous descendez, vous êtes à l'usine et à gauche on voit une petite affiche des nains. Et dès que vous vous rapprochez, normalement on a des bruits, je les ai désactivés pour pas être dérangé. Donc on a des petits robots juste ici et on a une image de nain juste là. Donc là vous avancez, ça vous valide le défi mort ou vif, vous gagnez les 10 000 d'XP et le défi est déjà terminé. Comme je vous ai dit, c'est un défi vraiment très rapide, donc vraiment n'hésitez pas à vous dépêcher de faire les défis et les pièces d'XP. Je vous rappelle qu'à la fin de l'événement vous ne pourrez plus faire les défis pièces d'XP ni les défis secrets, par exemple les défis secrets des nains. Sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine.